Je sais bien que personne n'est parfait. Mais quand même. Ce jour-là, je n'avais vraiment pas la force de me battre. Je me voyais comme quelqu'un de fort et indépendant. Quelqu'un qui sait prendre de la distance. Mais coup après coup, la réalité me reprend. Je vais pourtant indiquer que je voulais le tableau des statistiques de l'année dernière, il est où ? Le tableau des statistiques ? Regardez-moi cette présentation, ça a chié. Je comprends pas, c'est vous qui m'avez dit de faire ouais, ça. Vous comprenez pas, c'est bien ça le problème. Vous savez ce que vous êtes en train d'écrire là ? Hein ? C'est de la merde, comme d'habitude. J'ai eu mal. Je t'ai haï. Je suis réduit à rien. Et toutes les fois qu'ils m'ont attaqué là où ça faisait le plus mal, qu'ils m'ont atteint dans mon intimité. Quoi ? Non. C'était pour rire, évidemment. Tu parles. Ils ont juste agrandi cette fissure en moi. Je trouve ça hyper classe en fait. Ah bon ? Ouais, je te jure. Au moins ça les a calmés direct. Oui, enfin bon. Ça m'étonne pas, vu comme t'es jolie. Les autres disent qu'il faut laisser faire le temps. C'est joué de dire. Mais ce n'est pas vrai pour moi. Le temps n'a rien effacé. Qu'est-ce que tu fais ? Ça ? Arrête, s'il te plaît. Désolée. J'ai envie de justice, mais ça ne suffit pas pour que la plaie guérisse en moi. Tu es qui aujourd'hui pour moi ? Un proche ? Un inconnu ? Que faire de ces liens qui restent entre nous ? Je n'ai plus peur de paraître faible. Je repense à toi, à ce que tu m'as fait. Rien ne m'y oblige, mais je veux faire plus que survivre. Rien n'est sûr, mais je sais qui je suis et ce que je ressens. J'ai tout essayé. Presque tout.